qui joue en anglais, ça change rien. Ça change rien du tout. Je vous dis, c'est de la merde. Ne faites pas ça chez vous. C'est de la merde. En tout cas, de jouer en anglais, ça change rien, les gars. C'est pas le meilleur joueur, mais je dis que c'est de la merde. Et voilà. C'est que là, déjà, je ne vois pas ce que j'ai packé. Déjà, et toi non plus, tu ne vois pas ce que j'ai packé. Et en tout cas, ce que j'ai packé, frère, là-dessus, je pense que c'est le meilleur joueur que j'ai eu de toute ma vie. On fait le pari. On fait combien? Allez, dites les paris, on sait jamais. On fait les paris? Ok. Un jus de bagarre. Oui, c'est qui le boss, les gars, c'est qui le boss, je vous avais dit, c'est fait le petit. C'était la bonne époque. Salam le monde, c'est Hakim Bakoussib, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les TOTS BPL. Donc j'espère qu'on va en choper au moins un. Alors, on va pas perdre de temps les gars, on va voir tout de suite ce qu'il y a de beau. Hein. Et franchement les gars, c'est du très très lourd avec du De Gea dans les buts. Azpilicueta, Vertonghen, Walker, Marcos Alonso, Hazard. Ouais, la carte d'Eden Hazard les gars. Ouais, c'est plus de 1 million les gars. Franchement, si on chope du hasard, ce serait du lourd. Mais moi, honnêtement, n'importe qui, même dans les remplaçants, une carte TOTS, je suis le plus heureux du monde. Kanté, franchement, Kanté, c'est du très très lourd aussi. Aiken et Lukaku. Sur le banc, il y a quand même du Lloris, Alderweireld, David Luiz, De Bruyne, très bonne carte De Bruyne aussi. Voilà, il est proche du million. Il y a du Axel Sanchez. Sanchez. Je serais le plus heureux des hommes aussi, plus d'un million. Ibrahimovic, les gars, mais juste lourd. Après, il y a du Valencia, Keane, Lallana, Herrera et Douglas Costa. Une très bonne carte aussi, Douglas Costa. Un peu moins cher, mais une très très bonne carte également. Donc les gars, je vais aussi vous montrer l'équipe de la semaine. On peut aussi choper du très très lourd dans l'équipe de la semaine, parce que je crois qu'il y a du Neymar, si je me souviens bien. Il y a du Robben. Il y a du Coutinho, il y a du Jonas, Falcao, Calejon. Et les gars, si je vous parle de l'équipe de la semaine, c'est parce que j'ai fait un défi création d'équipe. Ça sera en bonus, c'est pour moi. Qui consacre à faire une équipe à plus de 83 ou 84, je sais plus. Pour avoir un joueur de l'équipe de la semaine à plus de 84. Donc les gars, je pourrais avoir à 84 au moins. Donc ça peut être Lucas, Dioba, Batshuayi. C'est qui lui? JLK, bien sûr, Coutinho, Calejon, Robben, Falcao, Jonas, Neymar. Voilà, si j'ai un peu de chance, pourquoi pas choper du lourd en fin de vidéo là-dessus. Donc les gars, comment ça se passe? Ça va être très très simple. J'ai 6 packs de fut champion que j'ai gardé donc les deux semaines qui ont précédé. J'ai fini hors 3. Mais bon, ça va, il y a du pack méga et il y a 2 packs joueurs rares. Et les gars, il y a du bon pack en promo, parce que voilà, franchement, on est servi. Il y a du pack or rare, il y a du pack joueur Bell Prime, pack méga rare et pack jumbo joueur rare. Donc c'est simple, les gars, je pense ouvrir, donc vu mes points FIFA, 3 packs jumbo joueur rare, ce qui fera 6000 crédits et il me restera 1450 crédits que je mettrai de côté. Vous inquiétez pas, de toute façon, là, il va avoir une nouvelle rentrée d'argent. Tu connais les bises. Donc vous inquiétez pas là-dessus, les gars, pour moi. Bon, de toute façon, c'est le ramadan bientôt, donc. On va pas trop manger, on se le cache pas. Donc voilà, les gars, d'ailleurs, en parlant du ramadan, si vous voulez, avant que je commence à ouvrir, oh, je vais même ouvrir le premier, tiens, comme ça on va pas. Si vous voulez. Oh, animation, ça commence bien. Oh, c'est un set, c'est un set. Animation, c'est qui? C'est pas hasard. Oh putain, non, c'est pas hasard. Et voilà, les gars, on commence bien. Mais les gars, mais il y a un moment donné. C'est bon,
Time, on arrête la vidéo. Oh là 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 là, les gars, on commence super bien. Défenseur central, Vertonghen, Tottenham. Bon bref, je suis un gunner, mais c'est pas grave. Je prends quand même, les gars. Oh là là, Vertonghen, ça se vend dans les combien, ça se voit. C'est pas celui qui se vend le plus cher. Ah, dans les... Oh, dans les 100 000, c'est bon ça. Dans les 100 000, les gars, dans les 100 000. Je prends, même, c'est bien sûr. On espère quand même avoir encore du très très lourd. Donc bref, les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bah je parlais du Ramadan. Vu que le Ramadan arrive, les gars, justement, je voulais vous proposer, si vous êtes chaud pour faire, voilà, si vous voulez que je fasse une série tout simplement sur le Ramadan, je pense, voilà, genre je me filme pendant la journée du Ramadan, qu'est-ce que je fais, trucs comme ça. Je sais pas, franchement, ça peut être un délire. Je sais pas si vous êtes chaud ou pas. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une petite série comme ça. Je pense que je sortirai 2 vidéos par semaine, pas plus, ou même voire 1 vidéo par semaine. Voilà, un petit Ramadan story, je pense qu'on va l'appeler comme ça. En attendant, les gars, on enchaîne. Hein. Donc voilà, les gars, si vous voulez un délire comme ça, franchement, ça serait super lourd. Que voilà. Bon, moi, j'attends vos avis. Moi, j'en ai parlé avec Younes et Kefarab. Il a dit, ouais, franchement, ça serait un bon délire. Donc, pourquoi pas. Donc, franchement, si les gars, vous me dites la vérité, hein, si vous êtes vraiment pas chaud à vouloir que je fasse cette série, vous me le dites, hein, il n'y a pas de souci, voilà, ça peut être une fausse bonne idée, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire. Donc les gars, on continue à enchaîner, et bah bien sûr, vous venez de vous en rendre compte, enfin, je pense depuis le début de la vidéo, logiquement, à moins que tu sois quand même un vrai teubé, mais je pense pas quand même. Donc les gars, voilà, j'ai le maillot d'Amiens, donc voilà, si tu vis pas dans une grotte, et que voilà, tu t'intéresses un peu au milieu, minimum au monde du foot, vous avez vu que Amiens a créé l'exploit de monter en Ligue 1, donc ce qui est exceptionnel, puisque j'habite à 1h30 d'Amiens, voire même à 1h si on prend l'autoroute, mais bon, quand t'es un chien galeux comme moi, tu payes pas l'autoroute. Mais non, plus sérieusement, les gars, voilà, franchement, ça a été un exploit, voilà, Amiens qui met le but, qui permet justement au club Picard de monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. C'est, voilà, franchement, il y a des moments, voilà, franchement, qui seront vraiment gravés dans le football français, et celui-là, je pense, ça va être gravé, parce que voilà, ce qu'ils ont fait, c'est juste exceptionnel. Après, on parle pas énormément aussi de Strasbourg, mais ce que Strasbourg a fait, c'est aussi exceptionnel. Gagner la Ligue 2 alors qu'ils viennent juste de monter en National, et il faut pas oublier aussi qu'Amiens vient de monter aussi en Ligue 1, en Ligue 2, pardon, et ils montent derrière en Ligue 1, donc voilà, c'est assez exceptionnel. Et donc voilà, et d'ailleurs, les gars, allez sur mon Facebook, ou alors ceux qui ont mon Snap ont déjà vu, allez sur mon Facebook ou mon compte Insta, j'ai fait une compilation, voilà, de ma story, parce que je suis parti dans la nuit à Amiens directement, j'ai fait 1 heure de route, voilà, et je suis parti voilà, dans l'ambiance au stade de la Licorne, tout ça. Donc les gars, n'hésitez pas à checker ma page Facebook, d'ailleurs si t'as pas liké la page Facebook, n'hésite pas frérot. Les gars, on ouvre le dernier pack méga, donc on va pas se mentir, hein. À part le top, ce qu'on a eu tout à l'heure, on n'a plus rien. Non, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est Gerson. Je pense que les joueurs de BPL doivent bien se vendre, parce qu'il y a un défi, je crois, un défi création, un truc comme ça. Donc il y a moyen que, ouais, niveau BPL, les gars, si vous avez du BPL, il faut les vendre, hein. Il faut les vendre, hein. Les gars, on va ouvrir les 2 packs joueurs rares. C'est franchement des très très bons packs. Bon, on va dire que c'est le petit bébé du pack Jumbo joueur rare que je vais ouvrir après. Donc les gars, on espère avoir du très très lourd. Et je le rappelle, le pack joueur équipe de la semaine à plus de 84, je le garde pour la fin. Donc voilà, allez, le pack joueur rare, il n'y a pas d'animation, c'est dommage. Bonne étoile quand même, bonne étoile, c'est qui celui-là? Ah, c'est Leno 86. Ouais, Leno, c'est pas mal, mais bon, je pense qu'il doit pas se vendre énormément. Derrière, on a quoi? Du Jiménez, Horn, il n'y a pas de joueur BPL. Si, il y a Morgan, joueur BPL. Pas mal. C'était un mytho qui était un mytho. Alright. Allez, on ouvre le deuxième pack joueur rare. Allez, on espère avoir... Allez, la chance amiénoise, on sait jamais. Et voilà, je l'ai demandé, animation, est-ce que c'est encore un top? Si c'est un top, c'est la folie. Oh non, c'est pas un, oh, petite étoile en plus. Oh, ça doit être un BR de Mictarion, à Brésil, ça. Quand la bring se fait ravir, et tes galons n'empêcheront pas que tu chavires. Chute KO, frappe de Alves, le genou inter, tu m'appelleras son Altesse. Quand t'auras du plomb, si tu charges comme tes veines, on charge les baskets. Par Dani Alves, je prends quand même 85, ouais, c'est pas beaucoup quand même. Je viens de me rendre compte de ma phrase, Dani Alves, je prends quand même. Non, y'a rien. Oublie ce que j'ai dit en gros. Donc les gars, comme je vous ai dit, le joueur équipe de la semaine a plus de 84, je vais le garder pour la fin. On va ouvrir donc 3 packs Jumbo joueurs rares, comme je vous ai dit. Donc les gars, on va prier pour avoir énormément de chance.
Bon, on a eu Vertonghen, c'est super, mais franchement, si on a un deuxième Tots, j'avoue, au début de la vidéo, j'ai dit, si j'ai un Tots, je suis heureux. Mais là, un deuxième Tots, ça serait la folie. Donc, les gars, allez, 2000 points FIFA, let's go! Non, il n'y a pas d'animation, c'est dommage, même pas. Même un joueur de l'équipe de la semaine, hein, ça serait pas mal. Au moins, la revente, ça serait cool. Koscielny, Arsenal. Les gars, Arsenal qui ne disputera pas la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis, je crois, 21 ans, un truc comme ça. Et Koscielny qui a eu un carton rouge pour le dernier match. Voilà, c'est du Koscielny, quoi. Donc, les gars, allez, l'avant-dernier pack jumbo joueur rare. Je suis déjà perdu. Le mec est déjà perdu. Bref, les gars, allez, on va ouvrir celui-là. On sait jamais. Pourquoi pas avoir un peu de chance? Non, toujours pas. Pas de carte spécifique. Non, une assez bonne étoile. C'est qui? Ça, c'est Ruffier. Stéphane Ruffier. On ne sait pas s'il va re-signer, enfin, s'il va jouer l'année prochaine à Saint-Etienne. On ne sait pas trop. En même temps, comme ça, je parle des joueurs. Voilà, comme ça, il y a un truc à dire, quoi. Allez, les gars, le dernier pack jumbo joueur rare. On espère, franchement, on espère avoir énormément de chance. Là, c'est le dernier. On a ouvert le premier, il y a eu un toss. Est-ce que le dernier... Il peut y avoir un TOTS. Est-ce que... La réponse maintenant. Ah, oh, putain, je suis dead. J'en ai vu oh, de c'est quoi ça? Ah, oh, c'est sur tous des rouges et des bleus. Putain, pas mal. Marlos, moi, je sais pas, ouais, j'ai eu l'air intéressant. Putain, mais il y avait deux bonnes cartes, j'avais l'impression, non? Je marie. Il y avait... Oh, Papa Chouaï derrière. C'est pas mal, ça, les gars. Franchement, c'est pas mal. Mais, les gars... Franchement, un pack assez chanceux. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est un pack opening assez chanceux. Franchement, ouais, je suis choqué. Je vous dis la vérité, je pense que ouais, à la revente, ça ne doit pas être énorme non plus, Marlos. Quand même, ça va, c'est un bon petit billet, 17 000. Moi, je prends, les gars, je suis preneur. Batshuayi. Alors, Batshuayi. Ah, Batshuayi, il se vend pas énormément. Vous savez quoi, les gars? Ouais, non, quand même, je vais les vendre. On va pas se mytho, je vais les vendre. Donc les gars, comme je vous ai dit, je vais terminer par le pack là, avec le joueur de la semaine à plus de 84. Et voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, tout est bien enregistré, tranquille. Bon, les gars, comme je vous ai dit, dans l'équipe de la semaine, il y a du très très bon. Il y a du Neymar, il y a du Robben, je crois, il y a Jonas. Bon, j'espère ne pas l'avoir, je vais me porter la poisse. En 84, ouais, il y a Batshuayi, hein. Mais bon, ça me ferait chier de l'avoir en doublon. Donc les gars, on va espérer surtout une animation. S'il y a une animation, c'est du très très bon. S'il y a une animation, c'est du très très bon. Les gars, ah putain, c'est un truc de ouf, il n'y a pas d'animation. Bon alors c'est qui du coup, c'est qui MDC français, c'est qui Nzonzi 86. Ah mais attends, je comprends pas. C'est les joueurs de la semaine. Mais de toute le... Ah ouais, j'avais pas compris en fait. Ah ouais, donc moi en fait j'étais complètement à l'ouest. Bon bah c'est pas grave, Nzonzi que j'ai déjà, donc ça me fait un doublon. Il est pas revendable. Ah mais alors du coup je vais vendre l'autre. Bah en fait c'est gagnant-gagnant. En fait le mec quand même, ce qui est génial c'est que le mec il est au courant de rien quand même. C'est, ouais non c'est n'importe quoi. Donc bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, on a eu notre premier TOTS. J'espère qu'on en aura d'autres hein, bien sûr avec le prochain championnat qui arrive. Je suis pas au courant du prochain championnat qui arrive. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir au moins un TOTS à chaque championnat. Et pour l'instant voilà, franchement un pack opening assez chanceux. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et bien sûr, big up Amiens. S'il y a des Amiennois, dites-le moi dans les commentaires les gars, ça fera toujours plaisir. Et les gars, c'est taquet pas possible. Je vous aide et je vous fais la puce. Et abonne-toi frérot hein. Allez, mousser, pourquoi pas mousser? Mousser! Ah, c'est dommage. Allez, franchement, il fallait attendre la 40e minute pour avoir une vraie frappe, une vraie occasion là. Putain, merde, j'ai laissé encore Varane tirer le corner. Putain, mais qu'est-ce que je suis abruti dans ma tête?